T'es sur mute, hein? Je t'avais unmute toi, mais je ne m'étais pas unmute moi. C'est trop drôle. Donc, je vais répéter qu'est-ce que je disais. Une chose était là. La température n'est pas super, mais tant mieux en espérant que tout le monde est à la maison, prêt pour un bon petit show. J'ai avec moi un invité spécial, quelqu'un qui est un. J'avais fait la petite remarque la dernière fois. Un spécialiste, un expert dans son domaine. Mais on va dire un spécialiste dans son domaine, dans tout ce qui touche le crédit, l'optimisation de crédit pour justement pour les immopreneurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, vous allez avoir la chance, l'exclusivité de le connaître ce soir, de connaître son talent, de savoir de quelle façon il peut vraiment vous aider à exceller à tout ce qui touche au point de vue du crédit, encore une fois. Donc, veuillez accomplir Monsieur Philippe Deveau. Yes! Yes, salut. T'avais de l'air à patiner un petit peu, mais tu l'as eu, c'est bon. Bravo! J'ai fini par y arriver. Yes. Comment Pour ça va, ceux qui Philippe? sont, ça va super bien, je suis super content. Je suis content de recommencer parce que c'est pas la première fois qu'on le fait. On commence à être un vieux couple des lives, tous les deux, là. C'est pas la À première fois vous, qu'on hein? en fait. Fait que c'est cool. Fait qu'on va se la faire amical, friendly. Je pense qu'on va pouvoir en profiter, on va s'amuser. Exactement. Partager du contenu en même temps. Puis, comme tu disais, alors c'est comme si je prenais le lead, là. Mais c'est ça, je sais que vous pouvez partager, vous pouvez liker la vidéo, puis commenter en même temps aussi, là. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente un petit peu. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis habitué, là. Mais je maîtrise très bien ma matière. Fait que si vous avez des questions, profitez-en, là. Christopher va pouvoir mes partager, puis on va répondre à live, là, à vos questions. Fait que. Je pense que je me présente ou tu avais quelque chose que tu voulais aller. C'est Non, ça, moi, je partais. exactement, c'est ça, je vois. Vas-y. Tu vois, on est deux habitués. Mais non, pour les gens, j'ai un petit peu placoté parce que je vois de plus en plus les gens se connectent. Mais je vais prendre ce petit moment-là pour guider les gens. Pendant que vous êtes là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, partager le live. Mais surtout, si vous avez des questions, c'est maintenant. Le moment où jamais, je vous apporte Philippe Deveau, spécialiste en crédit. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais pour ceux qui vont être dans le live, vous avez l'exclusivité, vous avez la chance d'avoir Philippe qui pourra répondre à vos questions. Moi, pour seconder, ou si vous avez des questions par rapport à l'immobilier, je vais être là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les mettre dans le live parce que qu'est-ce qui est cool, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité qui va faire en sorte que pour les questions intéressantes qu'on va répondre, je vais pouvoir les partager à l'écran et Philippe ou moi va pouvoir répondre. Donc, commençons tranquillement, mon cher Philippe, pendant que tu es là. Peux-tu nous expliquer un petit background de ton parcours, de qui tu es, dans quoi tu te spécialises, puis comment tu peux aider les gens? Cool, parfait. Ben, si je fais un retour en arrière, puis que j'explique rapidement d'où c'est que je viens, ça va vous donner une petite idée. J'ai étudié en comptabilité au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc une technique en comptabilité. Et la raison pourquoi j'ai décidé de suivre ce cours-là, cette formation-là, ben, c'est parce que je ne savais pas quoi faire. Mais je savais un jour, j'aurais une entreprise, ou peut-être même plus. Et je me suis dit que de suivre mon cours en comptabilité me permettrait au moins de connaître la comptabilité d'une compagnie, de gérer ma comptabilité moi-même. Alors, ça me permettrait de mieux comprendre. Enfin, j'ai suivi ma formation pas en immobilier, mais excusez, en comptabilité. Et je l'ai terminée. Après l'avoir terminée, je me suis trouvé un job. Et ça n'a pas duré un an que j'ai décidé de quitter pour me lancer en affaires, mais je ne savais pas quoi. Nécessairement. Et finalement, l'immobilier est apparu à moi. J'ai voulu me lancer en immobilier. Puis, pour commencer mon investissement, ben, tu sais, je ne connaissais rien à ce moment-là. Alors, j'ai décidé de me mettre en partenariat puis de m'entourer de personnes. Et dans les processus, ben, il y avait quelqu'un qui m'a comme allumé sur les dossiers de crédit, le potentiel des dossiers de crédit. Quand je dis allumé, ben c'est que, il m'a donné quelques petites informations, des petites stratégies qu'on pouvait faire avec surtout les cartes de crédit. Comment faire pour utiliser les cartes de crédit pour acheter de l'immobilier. Moi, j'ai trippé à ce moment-là.
Donc, j'ai passé par ces stratégies-là, j'ai amélioré mon crédit, j'ai été chercher des stratégies, j'ai été chercher le cash. Puis là, je me suis lancé en immobilier en partenariat, mais malheureusement, le partenaire avec qui j'ai fait affaire n'était pas nécessairement le bon partenaire. On va dire ça comme ça. Et, veux pas, moi, j'avais pas les connaissances en immobilier. Enfin, je me basais beaucoup sur cette personne-là, ses connaissances. Alors, quand il me disait d'acheter, j'achetais, mais moi, je ne savais pas trop faire l'analyse et tout. Alors, j'ai suivi avec lui, mais moi, en même temps que de commencer à découvrir un peu l'immobilier, ben, j'ai commencé beaucoup à pousser le dossier de crédit aussi, parce que c'était la fois que je trouvais ça vraiment intéressant. Et après un certain temps à vouloir faire de l'immobilier, ben, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas avec cette personne-là, puis il m'avait fait faire des mauvaises transactions et il m'avait un peu roulé. Fait qu'en réalité, il y a du monde qui a fait de l'argent sur mon dos, on va dire ça comme ça. Et je me suis retrouvé à devoir faire une faillite. Et donc, j'ai fait de la faillite et à travers ça, ben, je veux pas. Faut que je refasse mon crédit. Donc, j'ai commencé à rebâtir mon crédit moi-même. Puis là, ben, j'ai reparti une business aussi qui s'appelle Ma Santé Financière. Et là, je me suis vraiment poussé là-dedans et vraiment continué à travailler sur cette business-là. Et ça m'a permis d'utiliser mes connaissances en dossier de crédit, car on a des bons dossiers de crédit. Et aussi, en même temps, vu que j'avais fait une faillite, j'avais tout le principe de restructuration de crédit. Alors, techniquement, je me suis retrouvé dans une situation où ce que j'avais, le qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des mauvais dossiers de crédit? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des bons dossiers de crédit? C'est juste que j'ai mal utilisé les liquidités puis les connaissances que j'ai eues avec les dossiers de crédit. Je me suis associé avec les mauvaises personnes. Fait qu'était là mon erreur, ma grosse erreur. Donc, à travers le temps, j'ai continué ma business, ma santé financière, en lien avec les dossiers de crédit. J'ai aidé à travers le temps à énormément de gens. À un moment donné, je donnais une formation, puis c'est là qu'on s'est croisés de mémoire. Là, ça fait des années, là, je ne me rappelle plus. Ça doit faire une dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Genre en 2015, on s'est croisé à la firme Maxime Victor. Ah, c'est juste 2015? OK. Ouais, ben ça. Ben, ça fait quand même 7 ans, mettons 7 ans, là, dépendant quand même. Fait que c'est ça. Quand on s'est rencontrés là, je donnais une conférence au groupe justement de Maxime Victor, que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Là. Ça fait un bout que je n'ai pas parlé. En tout cas, c'est un autre sujet, ça. mais c'est ça, toi puis moi, ben, on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois. On a fait deux, trois lives avant ça, je ne me rappelle plus trop. Puis là, je suis rendu que. Si je peux dire, j'ai aidé énormément d'entrepreneurs de l'immobilier à se partir en immobilier, puis beaucoup de personnes qui avaient commencé en immobilier, puis à se propulser. Nice. Donc, en tout cas, là, c'est un peu, on va dire, la version courte et ou longue, dépendant combien vous passez de temps que vous trouvez que j'ai mis là-dessus, si c'était long ou pas, là. Mais c'est ça, c'est un peu le background où j'arrive. Puis là, je suis vraiment. Je suis là-dedans. Je suis le pro du crédit, le freak du crédit, le génie du crédit, dépendant de qui vous parlez. Il y en a plein qui ont des termes pour moi, là. Mais ça me touche tout. On va dire ça comme ça. Le spécialiste, l'expert. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis, techniquement, moi, à travers moi-même, mes propres dossiers ou à travers les autres personnes, j'ai été touché le maximum qu'on pouvait. Ben, pas le maximum, mais toutes les possibilités qu'on a face au dossier de crédit. Puis souvent, quand on parle de dossier de crédit, on a l'impression que c'est pas grand-chose, puis c'est pas intéressant. Mais si on veut partir en business ou si on veut aller en immobilier, c'est carrément, c'est une des choses à connaître, en plus de l'immobilier en soi, là. C'est la pierre angulaire, là. C'est vrai, ça passe par là, là. Ben, c'est ça, parce que t'as bien beau avoir les opportunités, puis les connaissances en immobilier, si t'es pas capable de les acheter parce que t'as pas le cash ou t'as pas le financement, Tu n'as pas le crédit, c'est c'est mal parti, difficile. là. C'est Exact. ça. Fait que, Mais, tu m'as amené à une question, une question puis un point, dans le sens que, tu sais, justement, à travers justement ton parcours,
dans le fond, les stratégies que tu appliques, les trucs et astuces que tu as permis plusieurs immopreneurs, investisseurs ou gens dans l'immobilier à se partir ou à passer au prochain niveau. Dans le fond, beaucoup de ces trucs-là, ben, plusieurs, tu les as appliqués sur toi. Fait que dans le fond, tu es la preuve vivante que ça a fonctionné. Tu l'as appliqué pour des clients. Puis, tu sais, c'est pas... Ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche pour vrai, là. Exact. Ben oui, mais là, je ne l'ai pas, là. Je pense que j'avais fait ça, là, une fois, on était en live, mais tu sais, j'étais à tes bureaux, j'avais apporté toutes mes cartes de crédit, mes cartes, oui. Là, puis là, j'avais montré ça, j'ai un jeu de cartes, moi, là. Tu sais, j'ai vraiment, j'ai poussé, à un moment donné, là, avant ma faillite, j'avais 13 cartes de crédit, il y avait plus de 100 000 de disponibles sur ces cartes de crédit-là. Puis là, je ne sais plus à combien je suis rendu. Je pense que je suis rendu à 7 cartes en ce moment, puis j'ai à peu près à 70 000 de disponibles juste en crédit. Là, en ligne. En crédit de disponible. Ouais, c'est ça. T'sais, si je veux, je peux utiliser cet argent-là pour faire de l'investissement ou quoi que ce soit. Là. Donc, j'ai... Puis ça, on parle juste des cartes de crédit. Là. Donc, il y a d'autres stratégies aussi là, qui sont intéressantes. Mais tu sais, ça, j'ai vraiment fait ça sur moi-même. Je les ai testés. Puis je l'ai testé avec plein d'autres personnes aussi. Je ne suis pas le seul. Fait que, tu sais, je l'ai vécu, puis je l'ai fait vivre à d'autres personnes. Super. Puis juste, parce que là, je pense que tu es allé un petit peu vite. Les gens sont comme, what? Ouais. Je peux récapituler. Fait que dans le fond, sur toi-même, tu es parti de une carte de crédit à genre, je te laisse l'expliquer, X nombre de crédits, en combien de temps et à combien le montant d'argent t'a amené ça? OK. Ben, techniquement, quand j'ai découvert le crédit... T'avais quel âge? Et ta boire. Je pense que j'avais 24 ans. Ça fait 12 ans. OK. Et ta boire. OK, ouais, ça fait mal, ça. ouais, mais je pense que c'était ça dans ce coin-là. C'était en 2008. Ouais, c'est ça, c'était en 2008. Comme ça fait 14 ans. 2008 que j'ai découvert ça. Parce que j'ai acheté mon. La première transaction que j'ai faite, c'était en décembre 2008. Ça fait quand même un petit bout. Donc, à ce moment, ben, ça, c'est la transaction immobilière. Puis j'avais tout été chercher mes affaires avant. Donc, on va dire, j'avais deux cartes de crédit. Puis les deux cartes de crédit, c'était un peu comme tout le monde. Tu sais, des petites cartes de crédit de 1 000-2 000 $ avec pas grand-chose parce qu'on ne sait pas qu'il faut utiliser ça. Puis quand j'ai découvert ça, ben là, je passais de 2 à 3 à 4 à 5. Puis après ça, j'ai fait une stratégie où que j'allais chercher plusieurs cartes de crédit en même temps. Et là, je me suis retrouvé avec, Attends, c'était combien? De mémoire, je pense que c'était 13 cartes de crédit. Puis, j'étais à 105 000 de disponibilité. Puis là, j'avais 24 ans. Wow. J'avais 24 ans, je sortais du cégep. J'avais pas de job à ce moment-là. Fait pas de salaire. J'étais capable d'aller chercher ça. T'sais, j'ai des clients qui ont été chercher énormément plus parce que les autres, à ce moment-là, il y avait... T'es bon, les bons revenus, la bonne situation financière, des actifs et tout. Même que j'en connais qui ont juste en carte de crédit, là. On parle vraiment de carte de crédit, puis il y en a aussi, on peut rajouter une marge de crédit. Il y en a qui atteignent les 200, 300, 400 000. Là. En ligne de crédit disponible. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si les gens ils comprennent bien, ça veut dire en 300, 400 000 ou même 100 000, ben, on va prendre 300, 400 000, ça veut littéralement dire que la personne pourrait acheter une maison cash avec son crédit. Là. Oui, mais là on s'entend, on ne parle pas d'une maison pour y vivre. Là. Ouais. On parle avec son crédit, là, on peut acheter un immeuble qu'on va... ben, mettons, dans cet exemple-là, la personne se retrouve avec un 300 000 qui a réussi à acheter une propriété à 200 000. Bon, là, vous allez me dire 200 000, ça ne se trouve plus, mais tout dépend de où est-ce que vous regardez. Puis là, c'est juste pour le dedans. donc, mettons 200 000, il reste quand même 100 000 encore parce que tu peux facilement dire, ben, regarde, j'ai de la place pour faire des travaux. Tu fais ton optimisation, tu revends à, mettons, 300, 350 000, 400 000. Tu rembourses tout ton crédit, tu gardes ton profit, puis t'es mort de rire. Là. T'as même pas sorti une pote de tes poches. T'as même pas sorti $1 de tes poches. Là. T'as tout utilisé l'argent des autres. C'est ça. Mais tu sais, bon... Là, on s'entend, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, la personne qui s'est ramassée avec tant d'argent. Là, il faut,
faut se le dire, il y en a que ça a pris du temps, là. C'est un work in progress parce que tu ne fais pas du jour au lendemain. OK, bon, j'ai jamais vraiment utilisé mon crédit. Puis là, j'ai une ou deux ou trois cartes de crédit à, mettons, 5 000 de limite du sac. C'est pas du jour au lendemain, tu vas te retrouver et dire, hey, je suis rendu à 300 000 de limite de crédit. Non, effectivement. On peut faire des stratégies qui vont permettre d'accélérer, mais il y a un processus. C'est comme, faut y aller graduellement. T'sais, ça se fait, mais on se rend là. T'sais, ça peut être un an, deux ans, trois ans là, pour se rendre à des montants comme ça. Mais si on réussit rapidement à se retrouver avec, mettons, là, je parle beaucoup des cartes de crédit, mais il y a d'autres stratégies. Là, mais mettons juste en carte de crédit, tu te retrouves avec un 50, 60, 70 000. Ça fait ça, qui peut être des travaux d'optimisation sur... Mettons, là, tu veux financer un immeuble, tu veux l'acheter, tu as besoin de la mise de fonds, puis tu as besoin de faire les travaux pour l'optimisation. Ben, tu es capable d'utiliser ce crédit-là pour commencer. Puis après ça, mettons, tu achètes un premier immeuble, tu y vas propriétaire occupant, tu as un 10, 15 000, 20 000 à mettre, plus tu mets un 30, 40 000 de travaux, puis si tu veux, tu peux même te faire financer une partie des travaux. Fait que tu te retrouves à utiliser tout ton crédit puis le financement pour faire cette acquisition-là. Après ça, tu vends, puis tu fais ton profit, puis oups, tu repars, là, tu as de l'argent en cash pour vrai, là. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ça serait quoi qui voudrait aller dans cette direction-là? Parce que comme tu l'as expliqué, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des piliers, moi j'appelle ça des piliers qu'il faut mettre en place qui vont permettre de justement, comme une locomotive, tranquillement prendre la vitesse, s'accélérer pour atteindre ce but-là. Mais ce serait quoi, mettons, les steps 1, 2, 3 ou l'étape 1 pour les gens qui voudraient aller dans cette direction-là? Ben, en fait, on a parlé quand même pas mal des cartes de crédit, mais en réalité, il y a plusieurs types de financement et... Avant de dire, OK, ben moi, j'ai aimé ce que Philippe a dit là, de me ramasser avec plein de cartes de crédit. Ça peut être cool, mais je veux dire, il y a d'autres stratégies. Fait que la première étape, ce serait d'analyser sa situation financière. Donc, c'est quoi mes actifs? C'est quoi mes passifs? C'est combien de cartes de crédit que j'ai? C'est quoi les limites que j'ai? Tu sais, si t'as juste deux cartes de crédit à 1 000$, ben, tes stratégies vont être différentes que quelqu'un qui a déjà 5 cartes de crédit à 10 000$ chaque. Puis les stratégies vont aussi être différentes entre quelqu'un qui a une valeur nette positive de quelqu'un qui a une valeur nette, une qui est négative, l'autre qui est positive. Puis même dans les positifs, il y a une différence dans celle-là qui a 10 000 de valeur nette versus celle-là qui a 100 000. Donc, c'est dur à dire. Fait que la première étape, c'est de faire une analyse, on va dire, plus réelle de sa situation pour savoir où est-ce qu'on en est. Puis après ça, c'est de se faire une sorte de plan. C'est comme, bon, ben c'est quoi, moi, mon objectif que j'ai en immobilier? Donc, là, chaque personne peut décider, ben moi, je veux faire du flip immobilier, je veux faire du multilogement, je veux faire du chalet locatif. Et là, encore une fois, il y a comme plein de possibilités. C'est ça qui est le fun de l'immobilier. C'est qu'il y a tellement de possibilités en immobilier que tout le monde peut y trouver son compte. Mais c'est parce que chaque type d'investissement nécessite du financement et des liquidités de façon différente. 100%. Donc, à ce moment-là, on doit analyser ça. Bon, fait que moi, je dis, bon, ben moi, mettons, tu sais, qu'est-ce qui est le plus dur, c'est de dire, ben moi, je veux un gros parc immobilier de résidentiel locatif. Ben, pour être capable d'être rendu là, pour commencer, il faut que tu aies de l'actif puis des liquidités pour être capable de dire que tu fais tes premières mises de fonds et pour tes premières acquisitions. Fait que souvent, tu vas te retrouver à faire soit du flip immobilier d'unifamilial ou tu vas aller dans des petits plex où est-ce que tu as beaucoup moins de mises de fonds à faire puis tu vas essayer de faire de l'optimisation puis possiblement soit refinancer ou revendre pour faire un profit pour être capable de grossir. Fait que c'est de savoir un peu où est-ce que tu veux t'aligner puis à partir de là, dire, OK, bon, moi, je veux ça puis moi, je suis là actuellement. Donc, j'ai besoin de liquidité, j'ai besoin d'actifs aussi, si vous n'en avez pas, et j'ai besoin de montrer ça. Alors, puis il y a l'autre question aussi, c'est combien tes revenus? Et le gros problème, c'est que des fois, il y en a qui disent, ah ben moi, pour sauver de l'impôt, je cache un maximum de mes revenus ou j'utilise un maximum de dépenses. Ben, j'ai juste 20 000 piastres de revenus. Mais crème, il n'y a aucune banque qui va voter. Oublie ça.
Fait que des fois, c'est aussi con de dire, ben, gars, là, tu vas arrêter de niaiser avec ça, là, puis tu vas dire, ben, gars, là, je déclare 50, 60, 70, 80, 100 000 de revenus. Oui, tu vas payer plus d'impôts. Mais c'est quoi payer plus d'impôts, même si tu payes un 5, 10, 15 000 piastres d'impôts, si ça te permet de faire des transactions qui vont te rapporter 30, 40, 50 000? 100%. C'est de changer un peu son mindset puis de se positionner. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on est capable d'avoir accès à des actifs pour être capable de démontrer qu'on a aussi de la liquidité pour aider la valeur nette, puis montrer ses possibilités d'apport dans l'argent, d'avoir les revenus nécessaires, puis pour être capable de passer au financement. Puis juste ça, c'est niaiseux, là. Mais tu sais, mettons que tu déclarais des mauvais revenus, ça prend un bon 2-3 ans avant d'être capable de dire que là, ce que je décide de faire maintenant va avoir un impact. Parce que, tu sais, mettons, là, je décide maintenant, là, on est en mars. Bon, ben, j'ai bien beau dire que je vais augmenter mes revenus, mais mes revenus vont se faire ma première année va être en 2000, ça va être pour 2022 que je vais faire le rapport d'impôt à 2023. Puis en 2023, je vais faire mon rapport d'impôt à 2024. Fait que c'est juste en 2024 que je vais être capable de faire une acquisition qui dit qu'il va utiliser ces deux avis de cotisation-là. En partant d'aujourd'hui. Ah, c'est exactement, parce que les banques vont faire la moyenne des deux dernières années. Fait que tu as bien raison. Si la personne se dit go aujourd'hui, ça va aller à plus tard, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ça qui est important de considérer. Après ça, bon, c'était juste 2-3 cartes de crédit. Ben, moi, ce que je recommande, c'est un minimum de 5 cartes de crédit au personnel pour être capable de vraiment être solide. Puis la meilleure façon que je peux expliquer ça, c'est imagine que tu es sur une chaise avec, mettons, on va dire 5 barreaux. C'est pas conventionnel, là, mais c'est juste pour expliquer. Techniquement, ta chaise est relativement solide parce que tu as 5 barreaux qui te permettent de te tenir. Ben imagine si tu as une chaise et tu as juste un barreau, ta boîte est chambranlant pas mal. Là. Puis à deux, c'est un peu moins parce que là, plutôt que de pouvoir tomber de n'importe quel côté, mais à deux, il y a juste deux côtés que tu peux tomber. Puis à trois, ben là, tu peux commencer à avoir de la stabilité. C'est un peu le même principe. Fait que plus que tu as de barreaux, d'une certaine façon, plus tu es stable. S'ils décident de t'en couper une ou de t'en diminuer une, c'est pas grave, tu as tous les autres que ça dérange, qui te supportent. Donc, il y a ça. Là, je vois comme l'affaire, là, Facebook oui. User, marge de crédit aussi. Exactement, c'est ça, j'allais dire. Je te laissais ton point. Je ne voulais pas t'interrompre non plus pour les gens qui nous écoutent. Mais oui, on a une question, quelqu'un qui nous dit les marges de crédit aussi, parce que tu l'as dit à quelques reprises que là, on parlait beaucoup de cartes de crédit. Mais par rapport aux marges de crédit, sa question n'est pas très élaborée, mais. Oui. Ben, en réalité, par rapport aux marges de crédit, il y a un concept qu'il faut faire attention. Puis c'est souvent une erreur que beaucoup de gens vont faire. Ou est-ce que. On va rentrer dans un petit peu plus de crunchy. Ce qui est le fun avec les cartes de crédit, bon, ça. C'est un des seuls produits que tu peux garder pratiquement à vitam aeternam, là, jusqu'à temps que soit tu décides de la fermer ou que la banque décide de la fermer. Pratiquement tous les autres comptes de crédit, un prêt auto, un prêt hypothécaire, un prêt personnel, un prêt REER, une année tu vas le finir de le payer puis il va se fermer. La carte de crédit, tu peux la garder 20 ans si tu veux. Un prêt hypothécaire ou un prêt auto, c'est ceux qui sont les plus longs. C'est soit 5, 6, 7, 8 ans. T'sais. Des fois, tu peux avoir un prêt hypothécaire 10 ans, là, mais c'est rare que les gens vont faire ça. Donc, tu veux des cartes de crédit pour ça. Mais la grosse raison pourquoi j'aime beaucoup les cartes de crédit face aux marges de crédit, c'est que les cartes de crédit, il y a des stratégies où est-ce qu'on peut camoufler les dettes qu'on a dessus. Là, on rentre dans le un petit peu plus crunchy et créatif. Mais mettons que tu as 100 000 de cartes de crédit, que tu décides de sortir 20, 30, 40 000. Avec les crédits restants de disponibles, on peut faire une certaine stratégie de roulement pour faire en sorte que le 20 000, 30 000, 40 000 que tu as sorti n'apparaît pas à tes dossiers de crédit. Ça, c'est ce qui est le fun des cartes de crédit. Tandis que les marges de crédit, on ne peut pas faire ça. Fait que le marge de crédit, c'est le fun parce que tu as des marges de crédit qui sont intéressantes pareil. Sauf que si, mettons que tu décides de sortir un montant de ta marge de crédit, si tu veux aller chercher du financement après, tu ne peux pas camoufler la dette de la marge de crédit. Tu ne peux pas la dissimuler. Fait que
c'est ce qui va arriver, c'est que les dettes que tu as sur tes marges de crédit vont venir jouer directement sur ton ratio d'endettement et ta capacité d'emprunt. Et souvent, les gens font cette erreur-là, de dire « Bon, ben, regarde, j'ai acheté un immeuble, je vais utiliser ma marge de crédit pour faire l'optimisation, puis après ça, je vais aller rechercher du refinancement. » Puis après, avec le montant d'argent que j'ai été recherché en refinancement, je rembourse ma marge de crédit. Mais souvent, les gens se font bloquer là. Parce que le problème, c'est souvent ce qui arrive, c'est que quand tu vas aller chercher ton refinancement, la banque va considérer que l'hypothèque va être remboursée. Mais dans les calculs de ratio d'endettement et de capacité d'emprunt, la marge de crédit va être considérée dans les ratios. Fait que même si tu prends l'argent de l'hypothèque et tu l'utilises pour rembourser ta marge de crédit, ce qui serait d'une certaine façon logique, les banques ne vont pas te considérer comme ça. Ils vont prendre que cette dette-là que tu dois rembourser mensuellement, puis là, ils vont l'appliquer à ta capacité d'emprunt et ton ratio d'endettement. Puis là, ben, ça va te nuire sur possiblement soit ton financement, peut-être que ça, tu vas te faire refuser, ou ça va faire en sorte que tu ne seras pas capable d'aller chercher autant parce que tes ratios te bloquent. Puis il y a beaucoup de gens, là, j'ai vu des gens qui ont passé proche d'une faillite à cause qu'ils ont fait ça, puis qui devaient, ils ont acheté, ils ont mis tous les travaux sur les marges, puis là, ils arrivent au refinancement, la banque dit non. C'est parce que les marges de crédit, c'est du bon taux. Les cartes de crédit aussi, c'est quand même des taux d'intérêt élevés, pareil, dans certains cas. Puis là, ils sont bloqués, puis là, ils sont plus capables. Fait que là, c'est sûr que je rentre là-dedans, puis je suis capable de régler des situations parfois, là. Mais, tu sais, les marges de crédit, il faut faire attention parce qu'on peut, on n'a pas autant de flexibilité que les cartes de crédit. Au contraire de ce qu'on pourrait croire, tu sais. Fait que... Parfait. Puis pendant qu'on y est, on a aussi une autre question. On a une question de Monsieur Cashflow Hunter. Rendu là, c'est mieux de booster sa carte de crédit plutôt que d'essayer de séduire une banque pour une hypothèque? Augmenter ses limites de carte de crédit va aider à... ça va aider de plusieurs façons. Puis là, on rentre dans plusieurs concepts, là. Mais techniquement, si tu augmentes tes limites de carte de crédit, tu vas améliorer ton ratio d'utilisation du crédit qui va aider ton pointage de crédit puis qui va t'aider à passer plus facilement au financement hypothécaire. Même si tu n'as pas plus de dettes. Le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est que tu as 2 500 $ de dettes sur une carte de crédit. Puis une limite de 5 000, bon, ben, t'es 2 500 divisé par 5 000, t'es à 50 %. Bon, 50 %, c'est un ratio d'utilisation du crédit qui est vraiment mauvais puis qui nuit énormément au ratio d'endettement, au pointage de crédit, excusez. Là, si tu décides de passer d'une limite de 5 000 à 10 000, ben là, t'es à 2 500 sur 10 000, t'es à 25 %. Fait que là, ça fait en sorte que tu améliores ton ratio d'utilisation du crédit et ton pointage. Puis là, mettons, tu vas chercher une deuxième carte de crédit à 10 000, juste pour faire faciliter l'exemple. Tu es à 2 500 sur 20 000. Mais là, on se retrouve à, je pense, c'est 12,5 %. Donc, tu diminues ton ratio d'utilisation du crédit, tu améliores ton pointage de crédit, ça fait en sorte que c'est plus facile de passer au financement. Donc, oui, tu as intérêt à améliorer les limites de tes cartes de crédit, les faire augmenter, d'avoir plus de cartes de crédit aussi, parce que ça va t'aider. Puis après ça, ben, il suffit que tu aies un bon courtier hypothécaire, puis tu vas être capable d'aller chercher le financement que tu veux hypothécaire, hein, si tu as fait le travail avant. 100 %, je suis parfaitement d'accord. Puis, disons, quelqu'un veut se lancer. As-tu des questions banales, là? Parce que je sais que les gens veulent s'enrichir. Je suis sûr que même toi, de plus en plus de jeunes veulent se lancer dans l'immobilier. Ça commence de plus en plus jeune. En maximisant son crédit ou en l'optimisant, as-tu aidé des personnes à devenir millionnaires? Si j'ai, moi, aidé à rendre des gens millionnaires? Oui. Pour être franc, je ne le sais pas. C'est long, puis j'explique là, pourquoi je ne le sais pas. C'est parce que ma business est... je le sais que oui, mais je veux dire qui, combien, ça, je ne le sais pas. Parce que ma business, la façon qu'elle fonctionne, c'est que moi, je donne des formations vidéo. J'ai des vidéos qui expliquent aux gens comment ça fonctionne.
Fait que les gens s'abonnent, prennent les vidéos, comprennent le concept, puis ils l'appliquent dans leur vie. Donc, techniquement, ça se peut que je ne parle jamais avec les gens. Par la suite ou... Mais c'est ça, parce que s'ils ont tout compris, puis ils l'appliquent, ben ils réussissent, puis ça va, puis c'est tant mieux. C'est juste de temps en temps que... Il y a une fois, c'est... Ben, pas une fois, là, ça arrive souvent aussi, hein, mais il y a une fois particulière, j'étais dans une formation qui coûte relativement cher, puis un gars qui vient me voir, j'ai aucune idée c'est qui, dit « Hey Phil, un gros merci ». Ah oui, pourquoi? Aucune idée c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi qu'il me remercie. Il dit « Grâce à tes stratégies, j'ai été capable de me sauver d'une faillite puis de réussir à me remonter. » Wow. Parce que si ça n'aurait pas été de tes stratégies, j'aurais fait faillite, puis j'aurais tout perdu ce que je fais en immobilier depuis longtemps. Fait que ça, c'est quand même une sorte de témoignage qui m'a vraiment frappé parce que tu sais, moi, je donne du contenu, mais je ne vois pas les résultats concrètement. Mmh. Puis, tu sais, il y a d'autres personnes qui viennent me voir. Il y en a un. Ça a donné que j'y ai parlé pour une autre raison. Puis, il me dit, hey, Phil, tu as changé ma vie. Quand j'ai commencé, quand je t'ai connu, j'avais aucun immeuble, j'avais pas vraiment de job, je travaillais pas vraiment, je faisais du cash, mais je veux dire, pas avec un emploi normal, puis je faisais pas de transactions. Puis là, en suivant tes cours, tes formations, ça m'a complètement donné une façon différente de voir la vie financière puis l'investissement. Puis il a vraiment pris le temps de bien comprendre puis d'appliquer ça. Puis aux dernières nouvelles qu'il m'a données, il était rendu avec 500 portes. Boom! Boom. Combien ça vaut? J'en ai aucune idée. Non. Mais en actif, il a dépassé le million. Là. Ah, en actif, c'est clair. Là. En actif immobilier, là, c'est facile. À 2, 3, 4 portes, là, souvent, tu es rendu au million. Là. Exactement. En valeur nette, là, c'est une autre affaire. Exactement. Mais, non, attends, excuse. Il n'a pas dit 500 portes, parce que 500 transactions. C'est différent. Boom. C'est fou quand même. Un des deux, là, je ne me rappelle plus. Le 500 est là, là, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. ça fait quand même un petit moment. Fait que, ça arrive de même que des gens me donnent des feedbacks, mais à cause que moi, je ne parle pas spécifiquement avec les gens, je n'ai pas le day-to-day de ce qui se passe réellement. Fait que, j'ai des feedbacks après. Mais tu sais, c'est ça, j'ai du monde, je sais que je les aide énormément et que ça fait une grosse différence. Mmh. Puis des fois, ben, tu sais, j'ai des consultations, tu sais, j'ai de la consultation privée pour certaines personnes, ceux qui en ont besoin, qui m'expliquent c'est quoi leur problématique. Mais oui, hein, il y a du monde qui sont devenus millionnaires. Je ne peux pas te dire combien, mais je suis persuadé parce que, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, toi, tu le sais un peu, là, mais tout ce qui est immobilier au Québec, j'ai été présent. J'ai été soit un coach, un mentor, un professeur, un conférencier. J'ai dans pratiquement tous les groupes nommés, j'ai été soit proche, loin, mais j'ai eu une implication quelconque à un moment donné. Puis les gens m'ont découvert, ont utilisé mes connaissances, puis les ont utilisés pour s'enrichir. J'ai aucune idée c'est quoi l'impact de Philippe, mais je sais qu'il est gros. Mais c'est drôle, tu as volé ma prochaine question qui était justement, as-tu une histoire à nous raconter d'un client? Mais je te la repose, tu en as expliqué deux, mais tu en aurais-tu une troisième? Ou est-ce que justement, tu sais, admettons une consultation, quelqu'un t'est arrivé avec un plan, Philippe, je vais me rendre là, voici ma situation, puis il a appliqué. Tu aurais-tu une petite histoire pour nous, une petite histoire juicy? Ben, il y a des choses que je peux faire. Que je peux raconter. Puis c'est plate à dire, là, mais je suis un briseur de rêve des fois. Je le dis parce que il y a beaucoup, on va dire, de marketing qui se fait sur la facilité d'investir en immobilier. Là, il y a tout le beau de genre tu vas devenir indépendant de l'immobilier en 80 jours, on va te montrer comment faire des transactions, ta première transaction en 30 jours, quitte ton emploi, dis bye-bye à ton boss, investis en immobilier sans argent, c'est comme,
il y a du marketing à côté sur l'immobilier, comme quoi ça a l'air facile. Mais dans la réalité, là, c'est pas facile. Puis souvent, quand je fais des appels, des consultations, là, c'est plate à dire, mais je brise des gens. Puis ça, le pire, c'est qu'ils sont souvent contents après, là, mais c'est parce que ça les remet à la place du genre, ah, OK, ça, on m'avait dit ça dans une formation, mais là, je me rends compte que c'est de la bullshit ou que c'est pas tout à fait vrai ou que ça marche pas aussi facilement que qu'on nous le dit. Fait que souvent, t'sais, des gens... il y en a un, là, une année, il m'appelle. Ah ouais, ben j'ai suivi une formation, puis là, ben, je vais aller me chercher des partenaires, ils vont me donner du cash, puis moi, je vais pouvoir faire des transactions immobilières. Comme, OK, ben parle-moi donc un peu de ta situation. Ben, je suis locataire actuellement, j'ai pas vraiment d'argent. Les revenus, c'est so-so, là, à peu près 30-40 000. Puis je veux me lancer en immobilier, puis je veux réussir. C'est comme, bon, direct là, là, il y a plein de choses que tu viens de il y a plein de choses qui ne marchent pas. Là. Bon, ouais. Premièrement, tu es locataire puis tu veux dire à des gens que tu vas faire l'investissement immobilier. Bon, je ne veux pas bâcher sur le fait que locataire, ce n'est pas bon. Stratégiquement, financièrement, ça peut l'être, mais souvent, quelqu'un qui n'a jamais eu de maison ou a même vécu une première transaction, ne sait pas concrètement c'est quoi de dealer un locataire. Tu sais, moi, juste avant qu'on se rencontre, j'ai dû aller à un de mes duplex pour donner un avis à une locataire pour dire, regarde, je t'envoie à la régie du logement pour te mettre dehors. Puis là, il a fallu que j'ai fait signer de la paperasse. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile de dealer de façon émotionnelle avec ça. Là. Puis de dire que tu vas faire de l'argent en immobilier, attends, t'as même pas cette première partie-là de devoir dealer avec des locataires, puis de dealer des transactions. Puis moi, mais j'ai des travaux qui attendent, là, qui doivent être faits là, dans cet immeuble-là, puis je suis pas capable de les faire. Puis ça fait... en tout cas, je vais pas rentrer dans tous les détails. Fait que tu sais, faut déjà savoir un peu c'est quoi être propriétaire, puis d'être capable de gérer des locataires. Deuxièmement, les revenus, une dette de 30-40 000, c'est presque rien, fait que c'est difficile de passer au financement pour faire une transaction immobilière. Il dit qu'il n'y a pas d'argent, puis qu'il n'y a pas de valeur nette. OK, tu passes encore moins au financement. Puis après ça, c'était quoi? Tu dis, ah, mais c'est pas grave, je vais aller chercher de l'argent des investisseurs. Ah, ça, c'est un gros scam, cette affaire-là. Selon l'AMF, là, tu peux faire ramasser bien raide. Là, puis c'est de la prison là, s'il y a des fuck-up là-dedans. Là. Parce que l'AMF a des règles qui régissent tout ce qui est valeur mobilière. Puis, quand on dit mobilière, souvent, on dit « Ah, c'est mobilière, ça n'a aucun rapport à l'immobilier qui est de l'immobilier. » Mais non, en réalité, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le prêt d'argent est une valeur mobilière. Fait qu'emprunter de l'argent de quelqu'un pour dire que tu vas faire l'investissement immobilier, c'est un prêt, c'est une valeur mobilière, c'est régi par l'AMF. Et si tu n'as pas fait signer un contrat avec cette personne-là, puis que cette personne-là n'est pas un investisseur qualifié, on s'entend, si ça va bien, il n'y aura pas de problème. Mais s'il suffit à un moment donné qu'il perde une scène ou qu'il n'y a pas les rendements qu'il pensait ou qu'il y a un fuck-up qui veut juste te faire chier, à l'AMF, il y a un inspecteur qui vient chez vous. Puis si tu es coupable, bon, la première fois, c'est une tape ses doigts. La deuxième fois, c'est une méchante. Ben, tape ses doigts avec une amende, on s'entend. Deuxième fois, c'est deux ou troisième fois, je ne sais pas combien, c'est la prison. Là. Wow! Fait que c'est du pénal, là. C'est pas du petit civil, genre, un petit tape tes doigts, fait payer une pénalité de 200 piastres, puis c'est réglé, là. Tu vis avec la... c'est l'argent des autres, là. Fait que c'est... Fait que là, c'est comme, OK, il est pas capable d'aller chercher le financement, il y a pas les liquidités, il y a pas la capacité d'emprunt, il y a pas les revenus, il y a pas d'expérience pour pouvoir dire qu'il sait comment gérer un immeuble. Et en plus de ça, il pense être capable de convaincre des personnes d'investir avec lui. Puis en plus de ça, il ne savait même pas que c'était régi par l'AMF. Fait que il se ramassait à, si ça n'allait pas bien, dans le méchant trouble. C'est du n'importe quoi. Mais je te seconde là-dessus parce que moi aussi, je brise des rêves souvent. Je pète les bulles des gens parce que les gens m'appellent juste. C'est quand...
Ben, juste tantôt, là, un client qui me parle, puis ah, Chris, il n'est pas propriétaire, il n'y a pas de mise de fonds, il n'a pas l'argent tout de suite pour se lancer, il est en train de repayer des dettes, puis il se dit, ah, ben, tu sais, j'ai entendu, je pourrais créer un INC, puis acheter avec le INC. Je suis comme, non, tu sais, j'ai sorti toutes les raisons de. Ça, c'est bon pour quand tu es rendu à un niveau 2, 3, tu as plusieurs portes puis tu veux passer à un prochain niveau. Mais pour quelqu'un qui commence, c'est aucunement des stratégies qui peuvent s'appliquer, là. Ça n'a aucun bon sens, là, les gens, l'interprétation ou la façon que les gens divulguent l'information, ça ne s'applique pas à tout le monde, là. Ben, en réalité, tout est du cas par cas. Dans Exact. des situations, ça peut être la façon de faire, puis d'autres, Exact. pas du tout. Mais une chose qui est importante de comprendre de l'investissement avec des sociétés par action, c'est que tu as bien beau avoir une société par action, mais la société vaut rien, techniquement. Fait que quand tu vas arriver pour financer l'immeuble qui est détenu par la société, qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est Bibi en dessous. C'est qui en dessous? Puis il va falloir beaucoup de liquidité, ça je disais là. Fait que c'est ça. Là, je dis ça, puis ça a l'air comme genre, il n'y a aucune possibilité. Non, c'est pas vrai. C'est juste que faut être conscient de la réalité de la chose, de l'investissement immobilier, du financement immobilier, de sa situation financière. Puis quand on est réellement prêt à se lancer, dire on va faire l'investissement immobilier, bien là, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre le temps de se structurer. Puis, bon, je suis là, je suis locataire, je n'ai pas beaucoup de revenus, je n'ai pas de valeur nette, puis je connais personne ou je connais personne qui est des investisseurs qualifiés pour me prêter de l'argent du point de vue légalement. Alors, je fais quoi? Bon, premièrement, comment je fais pour augmenter mes revenus? Ben, ça, c'est la première chose. En augmentant mes revenus, comment je fais pour le plus possible être capable de mettre de l'argent de côté? À travers le tout, je vais aller chercher des cartes de crédit pour m'aider à aller chercher des liquidités. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut utiliser une stratégie où est-ce qu'on va sortir les liquidités des cartes de crédit. On va faire une stratégie pour faire en sorte que ces dettes-là apparaissent pas au dossier de crédit. On met ça dans un CELI, ça booste notre valeur nette. En ayant une valeur nette plus élevée, là, après ça, on va créer une société. Cette société-là, on va aller chercher du crédit d'entreprise. Là, la compagnie, les différentes institutions financières, quand ils vont arriver pour faire une enquête de crédit sur toi, ils vont voir que tu as des bons revenus, tu as une bonne valeur nette, ou en tout cas, une valeur nette qui est intéressante. Là, ils vont t'offrir du crédit pour cette business-là. Là, quand tu as eu ton crédit, l'argent que tu avais dans ton CELI, tu vas le remettre pour rembourser tes cartes de crédit. Puis là, l'argent que tu as économisé va servir à payer l'intérêt que tu as payé sur ce montant-là que tu as sorti temporairement des cartes de crédit. Là, tu as de l'argent dans une société qui te permet de dire, bon, ben, j'ai des liquidités qui ne nuisent pas à ma capacité d'emprunt et à mes dossiers de crédit personnel. Là, je vais faire une première transaction. OK, fait que là, on va utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, il ne faut pas oublier que la SCHL, Genworth, qui s'appelle Sagen maintenant, puis Canada Guarantee. Fait que là, si on est capable, on va faire des transactions simultanées. On va faire en sorte d'utiliser les premières transactions pour, en tant que propriétaire occupant, pour aller chercher le maximum de transactions puis le minimum de mise de fonds. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos cartes de crédit personnelles pour faire les transactions pour les premières transactions qui sont faites au nom personnel. On va sortir temporairement les liquidités de la marge des marges de crédit de business pour faire les optimisations sur ces immeubles-là. Ces immeubles-là, on va les revendre au plus vite pour ramasser le cash, pour rembourser la société, pour pas que ça apparaisse sur un rapport d'impôt de la société comme quoi tu as sorti de l'argent, parce que fiscalement, tu peux faire taper ses doigts puis ça peut coûter cher si tu ne fais pas attention avec le fait de te prêter de l'argent au personnel. Là, tu as ramassé une première transaction, tu as fait de l'argent sur cette première transaction-là. Là, tu peux commencer à dire, bon, ben là, je vais créer une société qui, elle, va aller chercher du financement pour une prochaine transaction. Là, je peux facilement, fiscalement et légalement, sortir l'argent de la société qui était chercher les marges de crédit pour les mettre dans l'autre société pour faire des transactions immobilières. Puis là, tu es parti. Puis tu Boom. as juste à faire une transaction par transaction. Boom. Ça, c'est sûr, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez Moi, avoir j'ai dit ça vite, là. le step by step, si vous êtes rendu là, si vous êtes prêt, vous contactez Philippe Deveau. Mais on n'a pas encore terminé. Philippe, justement, je t'écoutais parler là. Admettons, parce que pour ceux qui nous. Tu sais, Philippe l'a nommé, tu sais, le financement, c'est du cas par cas. Mais ma question pour toi, Philippe,
le client idéal, admettons, parce que vu que c'est du cas par cas, c'est un petit peu difficile de te donner la bonne situation, mais pour le client idéal avec une situation puis un projet idéal qui ferait du sens, que tu pourrais décortiquer un petit peu pour nous, là. Tu sais, le client, il devient, bon, tu sais, le genre de client qui m'arrive avec ça puis qui voudrait faire ça, voici qu'est-ce que je pourrais faire avec quelques étapes pour le rendre à son objectif. T'as-tu une idée, un concept, quelque chose? Bien, je te dirais que la partie la plus importante d'un, si on peut dire, d'un client intéressant, c'est l'état d'esprit. Mmh. Et avec ça, on peut tout faire. Puis, parce que la personne soit locataire, soit propriétaire, qu'elle soit avec une valeur nette négative ou positive, qu'elle n'ait pas de connaissances en immobilier ou qu'elle en ait, qu'elle ait déjà fait des transactions immobilières ou qu'elle n'en ait pas, qu'elle ait une job ou qu'elle n'en ait pas. Techniquement, tout peut se régler. Tout peut se faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, mais quelqu'un qui est vraiment dit, OK, j'ai un plan, j'ai un objectif, je veux l'atteindre. C'est quoi le meilleur plan pour y arriver? Puis là, à partir de là, on peut tout manager. Tout peut se régler. Tu sais, moi, personnellement, tu sais, je suis parti d'un appartement pour... je veux dire, ben, c'est ça, on part tout techniquement d'un appartement. Ou des parents, on commence tout... on commence pas de même, on n'est pas dans notre maison. Là. Mais tu sais, techniquement, on commence tout soit en appartement, ou ceux qui sont plus jeunes, ils partent de leurs parents. Fait que techniquement, il faut qu'on commence avec ça. On est là. OK. Bon. C'est sûr que c'est dur de passer au financement pour dire, ben, je vais acheter un 10 logements quand tu es locataire. La banque ne sera pas contente. Elle dit, ben, crime, tu es locataire. On sait même, tu n'as jamais géré de locataire. C'est pas vrai que je vais te mettre du financement pour un 10 et plus. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu dois faire tes premières transactions. Tu vas faire un premier duplex, triplex, quadruplex. Tu as moins de 1000 de fonds en mienne. Fait que tu vas commencer ça. Mais techniquement, tout est dans l'état d'esprit parce que quelqu'un qui est vraiment willing va comprendre que des fois, il faut mettre du cash sur la table, il faut mettre du sang sur la table, il faut mettre de la sueur sur la table pour arriver à faire ce qu'il faut. Et à partir de là, c'est une question de temps avant d'y arriver. Mmh. J'aime pas mal ça. Parce que sérieusement, là, j'étais du monde, là. Avant ma santé financière, avant que je fasse des formations en ligne, ma business était de la consultation. Puis à un moment donné, ben, j'avais plus de vie, je faisais juste de la consultation, il faut que je change ça. Ben, à ce moment-là, j'ai vu quand même pas mal de choses, puis j'ai aidé quand même pas mal de personnes. Ben, là, ça fait des années de ça. Hein. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, j'aidais les gens de cette façon-là. Fait que peu importe la situation, j'avais des solutions. Puis tu sais, c'est vraiment dans la merde. Mettons, tu es sur le bord de la faillite, là. Mais il y a quelque chose qui peut être fait. Tu sais, plutôt que d'avoir un cellulaire qui te coûte 100$ par mois, moi, j'en ai un qui me coûte 35. Plutôt que d'avoir ton Internet qui te coûte 100-150$ par mois, ben tu peux en avoir un qui est à 50$ par mois. Mmh. Fait que, tu sais, il y a deux façons de s'enrichir. Augmenter ses revenus, puis diminuer ses dépenses. Puis si tu es capable de jouer ces deux, tu fais juste accélérer ton enrichissement. Bon, on s'entend, on ne veut pas vivre dans une boîte à carton toute notre vie, là. Mais je veux dire, de temps... Tu sais, des affaires qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent de moi. Tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans un Tim Horton dans le moment où j'avais ma business. Puis la raison pourquoi j'ai été faire ça, c'était parce que j'avais besoin d'une certaine stabilité de revenus pour être capable de continuer à grossir ma business. Mmh. Fait que moi, genre, le jour où je travaillais au Tim Hortons, au salaire minimum, c'était vraiment à chier. Bien que pour d'autres concepts, j'ai bien aimé ce job-là, par exemple. Là. Puis, tu sais, c'était. Alors, je ne me rappelle plus les années, là, mais tu sais, j'étais pas. C'était gênant parce que des fois, je servais les clients. c'était full gênant. Là. Fait que j'étais gêné de ça un peu. Mais tu sais, j'étais au Tim Hortons. Pas parce que j'avais besoin de l'argent pour vivre, mais c'est parce que j'avais besoin de cette étape-là pour dire ça, c'est ma première étape pour m'apporter une certaine stabilité qui me permet de focusser après ça les soirs sur
ma business, de faire grossir ma business. Mais là, c'est sûr que si on est dans l'immobilier, là, ça va être de faire des recherches, d'aller chercher de l'information. Puis là, après ça, moi, j'étais capable de dire, bon, OK, là, ma business roule suffisamment bien. Je suis capable de quitter cette job-là puis me concentrer juste sur ma business. Mais c'est parce que j'ai fait du travail avant. Mais tu sais, quand... c'est drôle à dire, là, mais quand j'ai reçu mon relevé de Revenu Québec, là, de genre, si je prenais ma retraite tout de suite, j'aurais un beau, je pense, c'est 68$ par mois pour vivre. C'est vraiment à chier. Là. Puis, mais c'est parce que c'est basé sur les revenus. Puis, tu sais, il marque les années de revenus. Bon, là, ces années, les dernières années, j'ai des bons revenus. Mais ça, on regarde, on retourne 4-5 ans en arrière. J'ai jamais eu plus que 15 000 $ de revenus. Mais j'avais 15 000 $ de revenus, mais je vivais aussi bien que des gens qui en faisaient 30, 40, 50 000. C'est juste que j'avais tellement bien structuré mes affaires puis bien le contrôle sur toutes mes dépenses que tu sais, je faisais 15 000 $ par année, mais je me tapais 2-3 mois de vacances. Moi, mon frère habite en Colombie-Britannique, fait que je me tapais, j'allais là-bas le voir, puis je pouvais partir 2-3 mois. Par été. Que même quelqu'un qui fait 30, 40, 50 000 n'est même pas capable de faire ça souvent. Fait tout est dans l'état d'esprit, puis de planifier ses affaires, puis de les structurer, puis à partir de là, on peut tout faire. C'est juste, ça peut prendre un certain temps. Parfait. Puis, pour les gens qui sont rendus, qui ont fait leur devoir, qui ont un plan, qui savent où est-ce qu'ils veulent s'en aller, qui t'arrivent, qui t'approchent déjà, admettons... il y a plusieurs scénarios, là. Mais admettons la personne qui a déjà un plex, okay, il y a une marge de crédit hypothécaire, il y a une marge de crédit il y a une marge de crédit, admettons, de 20 000 qui n'a pas d'argent dessus, qui n'a pas de balance dessus. Puis il y a 2-3 cartes de crédit à genre... il y a 2 cartes de crédit à genre 20 000. Puis là, il vient de voir, Philippe, j'aimerais ça... À partir de là, grossir mon parc immobilier. Exactement. Bon, ben regarde, je vais prendre en considération que l'immeuble ici, qu'est-ce qui se passe, puis qu'il a déjà optimisé, puis qu'il veut le garder. Mettons qu'il vit dedans, mettons que c'est un duplex, puis il vit dedans. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas d'autres... Ben, habituellement, si t'as un immeuble, t'as un minimum de valeur nette, puis si t'as pas d'autres dettes, ben là, t'as une valeur nette positive, fait que c'est intéressant. Fait que la prochaine étape, probablement que ce que je ferais, c'est qu'on va te créer une société. Cette société-là, elle va aller chercher du crédit d'entreprise. La grosse raison de cette stratégie-là, c'est qu'on est capable d'aller dans plusieurs institutions financières, aller chercher du crédit qui sont faits pour du démarrage d'entreprise. On ne dit pas qu'on va faire l'immobilier avec ça, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Puis, on va chercher ces crédits-là. Et on peut aller chercher des montants relativement intéressants. T'sais, je donne un exemple. Moi, j'ai été chercher 70 000 de cette façon-là. Puis, tu sais, j'avais pas la meilleure situation qui permettait de faire des gros montants, mais tu sais, j'ai des clients qui vont chercher 100, 150, mais ça, chaque cas est différent. Mais mettons que tu es capable d'aller chercher 50, 75 000 de cette façon-là, c'est un montant qui te permet de faire une autre transaction. Fait que là, tu crées dans la société, tu vas chercher du crédit d'entreprise, après ça, tu fais tes recherches, en même temps, tu fais tes recherches immobilières. Quand tu es vraiment prêt à faire une transaction, tu vas créer une société pour dire que tu vas acheter cet immeuble-là. Tu vas prendre l'argent de la marge, tu vas l'envoyer. OK, je vais faire un shortcut, là, mais dans la réalité, c'est différent. Tu vas prendre cet argent-là puis tu vas l'envoyer dans la société. Techniquement, il faut faire plus de stratégie que ça, là, mais le concept est que tu vas prendre l'argent pour qu'elle soit disponible dans la nouvelle société qui va faire l'acquisition. Tu fais cette acquisition-là. Puis là, tu fais ton optimisation, soit tu revends ou tu vas refinancer pour rembourser ta mise de fonds. Puis après ça, ben, tu recommences. Tu vas faire d'autres recherches, créer une société pour la nouvelle transaction. Tu vas prendre l'argent de la société qui a des marges de crédit pour l'envoyer dans la nouvelle société pour faire la transaction. Puis là, tu fais juste un repeat business. Mmh. Puis à travers ça, dépendant, là, tu dis que tu avais 2 cartes de crédit, à travers ça, tu peux te ramasser à aller en chercher une fois de temps en temps. C'est pas trop, pour pas trop nuire à ton dossier de crédit et ton pointage pour aller chercher des cartes de crédit parce que tu ne veux pas à chaque demande de financement. On parle de les marges de crédit, business,
les cartes de crédit puis les financements hypothécaires, ça commence à en faire pas mal. Fait qu'on y va stratégiquement pour pas trop nuire au pointage. Puis là, ben, graduellement, tu fais une transaction. Après ça, une transaction. Puis là, les actifs à travers le temps vont, la valeur va augmenter, les dettes vont diminuer. C'est une valeur nette qui se fait. Puis plus la valeur nette est élevée, plus c'est facile après ça d'acheter des plus gros immeubles. 100%. Là, tu peux mettre tout ça en garantie ou tu refinances, tu vas chercher de l'équité. Puis là, la roue est partie. Puis là tu as d'autres défis que d'acheter. Là. C'est ouais. D'autres défis, là, c'est de la gestion. Exact, exact. J'ai une autre question pour toi. Ça, c'est pour les jeunes, parce que souvent, les jeunes ou les nouveaux arrivants, c'est un petit peu similaire. J'en ai beaucoup plusieurs qui me contactent, qui sont sûrement en train de nous écouter présentement. En passant, petite parenthèse, pendant que vous êtes là, ça va se terminer bientôt. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat pour que profitez de la présence de Philippe pour répondre à vos questions. Mais, de retour à ma question, les jeunes, ils n'ont pas accès à du crédit, ils n'ont pas accès à des limites de crédit très élevées quand ils commencent, parce qu'ils sont jeunes et ils n'ont pas d'historique. La même chose pour les nouveaux arrivants. Ce serait quoi des trucs et astuces pour qu'ils puissent aller chercher une... Tu sais, aussi, tu sais, les cartes Capital One, les banques les voient mal parce que tout le monde est capable de les avoir. Fait comment aller accélérer, d'aller maximiser, optimiser son crédit avec des bonnes cartes puis de la bonne façon pour aller les chercher sans se faire refuser? Ben, tu sais, en temps normal, quand tu es jeune, c'est que tu commences, tu as accès aux cartes de crédit étudiantes. Puis toutes les banques, les grandes banques, là, on peut, on, mettons, on parle des banques conventionnelles que tout le monde connaît, là, Desjardins, RBC, Scotia, Banque nationale, Banque de Montréal, TD, Laurentienne, ils ont toutes des cartes de crédit pour les étudiants. Fait techniquement, tu sais, mettons, quelqu'un, un étudiant dit, bon, gars, je veux me lancer en immobilier. Bon, on s'entend. Il y a plein de façons de faire pour réussir à faire de l'immobilier, puis tu vas utiliser d'autres personnes qui, eux, ont plus de crédibilité. Mais mettons, on dit que tu es vraiment tout seul, là, tu ne connais pas personne, puis il faut que tu te bâtisses. Ben, ce que tu peux faire, c'est que tu dis, bon, regarde, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller dans chacune de ces banques-là, puis je vais demander une carte de crédit pour étudiants. Ou, si on parle de ceux qui arrivent ici au Québec, ben habituellement, les banques ont des produits pour les immigrants. Immigrants, je me trompe toujours. Je ne sais plus lequel. Mais pour les nouveaux arrivants. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu vas en chercher dans plusieurs banques. Ça va scraper ton crédit. Parce que tu vas avoir fait plusieurs demandes, puis tu vas avoir plusieurs comptes de crédit qui vont être nouveaux. Puis là, les dossiers de crédit ne savent pas trop comment tu vas réagir face à ça. Mais c'est pas grave. Fait que là, ton pointage de crédit va diminuer, mais tu vas avoir plusieurs cartes de crédit. Puis là, tu utilises chacune de ces cartes de crédit-là, minimalement une fois par mois, là, au pire, un paquet de gomme, là. Mais tu utilises la carte de crédit pour recevoir ton relevé. Puis après ça, quand tu as reçu ton relevé, tu fais le paiement avant la date d'échéance. Puis juste ça, ça va faire qu'en quelques, mettons, au minimum 6 mois, là, à partir de 6 mois, là, ton pointage de crédit va commencer à être vraiment solide puis commencer à réaugmenter. Puis là, à ce moment-là, tu vas avoir vraiment une belle crédibilité. Puis là, tu vas pouvoir commencer à augmenter les limites de ces cartes de crédit étudiantes-là. Et là, tu vas pouvoir, après ça, aller chercher du financement pour d'autres cartes de crédit qui sont plus fortes, qui sont plus reconnues, des cartes de crédit conventionnelles qui ne sont pas étudiantes. Puis là, ben, là, tu es parti. Là, tu rentres dans le niveau que tout le monde est rendu, où est-ce que là, tu as besoin de trouver du cash, tu as besoin d'avoir accès à augmenter ta valeur nette, augmenter tes revenus. Puis à partir de là, ben, là tu peux passer au financement. Fait tu sais, mettons qu'un étudiant est tout seul, n'a pas de famille, n'a pas de parents, n'a pas d'amis, ben, puis de il ne connaît pas personne qui serait prêt à être partenariat avec lui, ben, donne-toi un an ou deux, bâtis ton crédit pour être capable d'aller chercher le maximum de crédit pour pouvoir ressortir ça après ça pour pouvoir faire tes premières transactions. C'est parfait. Puis, dans le fond, là, tu juste résumer qu'est-ce que tu as dit. Tu suggères que vu qu'on, admettons, tant qu'aller s'en chercher une, de faire une demande, de faire plusieurs demandes, admettons 5 demandes avec les 5 ou 6 grosses banques, quitte à ce que peut-être une ou deux vont te refuser, puis autant de demandes vont risquer d'affecter ton crédit à la baisse, mais tu risques, au lieu de finir avec genre juste une carte parce que tu as fait une demande, ben tu as plus de chances de t'en sortir avec plusieurs cartes qui vont faire en sorte que ça va accélérer justement, ouais. Booster ton crédit plus rapidement. Ben oui, ben, tu sais, comme si je reviens avec l'exemple de la chaise que j'ai fait tantôt, c'est que tu commences avec
Une chaise avec un pied, avec une patte. Mais là, ce que tu veux, c'est que tu veux bâtir ta chaise au plus vite. Fait que là, tu vas aller en chercher, là, puis là, tu vas te faire les quatre pattes. Tu sais, au moins, tu te prends des troncs d'arbre, puis là, tu vas faire des tas. Puis tu égosseras tes pattes après ça pour qu'ils deviennent belles. Là. Mais ce que tu veux, c'est avoir tes quatre pattes pour être stable plus vite possible. Mais Fait que là, c'est ça. si une institution te refuse, là, t'arrêtes ou tu fais quand même. Non, c'est tu t'essayes. Moi, je dirais. Bon, c'est sûr, là. C'est du cas par cas encore, là, mais mettons que. Bon, on pourrait dire ça. Tu vas voir. Tu regardes là, Desjardins, plus les grandes banques, donc TD, BMO, Scotia, RBC, Banque nationale, Laurentienne aussi. Puis tu demandes toutes des cartes étudiantes. Ouais. Des fois, ce n'est pas nécessairement des cartes étudiantes, on ne va pas dire cartes pour étudiants, hein, mais tu sais, c'est toutes des cartes de crédit sans frais, les Ouais, bases, là. Pas de ok. frais, là. C'est ça, les cartes de base. C'est ça, des cartes de base sans frais. Puis, même si tu as juste 500 pièces de limite, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que tu commences à bâtir les antécédents. Les antécédents, c'est ce qui est le plus bénéfique pour le pointage. Puis, même si tu as 500 pièces à 1, mais si tu as 500 pièces sur 3 cartes, ben, tu es à 1500. Puis, l'affaire, c'est qu'après, à peu près à tous les 6 mois, tu peux appeler l'institution financière pour faire augmenter la limite. Tu sais, si tu l'utilises bien et tu démontres que tu gères bien ton crédit, là, ben, mettons qu'il passe de 500 à 1000, ben, si tu en as une, tu passes de 500 à 1000. Mais si tu en as trois, tu passes de 500 à 1000 chacune. Fait que là, tu es rendu avec 3000 plutôt que juste 1000. Ben, ça va beaucoup plus vite, là, aller chercher des liquidités, là. 100%, 100%. Fait que, on va wrap it up, parce que ça fait quand même 1 heure que tu es là puis tu partages tous tes trucs. Ouf. Tu Une parlais. chose, c'était une demi-heure, hein? Mais tantôt, tu parlais justement, tu as ton cours en ligne, tu as la consultation, le Philippe Deveau, le spécialiste en optimisation de crédit pour immopreneurs. Aujourd'hui, tu es rendu. Quels sont les services que tu offres? Comment les gens peuvent faire affaire avec toi sur différents niveaux? OK, ben, la meilleure façon, là, c'est d'aller sur Ma santé financière. Puis vous allez voir, il y a une partie expertise, puis là, ça l'explique certaines parties de mon expertise. Mais techniquement, c'est qu'il y a deux produits. Il y a un abonnement, puis un volet immobilier. L'abonnement, c'est pour avoir accès à toutes mes connaissances par rapport au dossier de crédit, la finance personnelle, la comptabilité. J'aime beaucoup les technologies, fait que j'en profite pour dire des affaires sur la technologie. Fait que cet abonnement-là permet d'avoir accès à tout le contenu général sur la finance personnelle, on va dire, et les dossiers de crédit. Ça, c'est comme la base. Et là, à partir de là, ça te permet de comprendre comment fonctionnent les dossiers de crédit puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Pour quelqu'un qui est spécifique en immobilier, ben, je veux dire, qui veut faire l'investissement immobilier, ben, à ce moment-là, il y a un volet immobilier qui est comme une sorte de add-on, un surplus, un ajout. À ce moment-là, c'est tout sur l'aspect immobilier. Comment bâtir son parc immobilier, comment se structurer, comment fonctionne le crédit pour l'immobilier, comment faire pour aller chercher des liquidités pour investir en immobilier. Enfin, c'est vraiment fait spécifiquement pour les investisseurs immobiliers. Fait que techniquement, tout dépend de où est-ce que vous êtes. Fait que la première chose, ça serait de dire, bon, si vous voulez commencer, puis vous n'avez pas commencé en immobilier, prenez le temps de prendre l'abonnement. L'abonnement vous permet de faire le ménage de vos finances personnelles, de savoir comment ça marche, pour avoir une base solide de ce point de vue-là. Et après ça, quand vous êtes prêt, vous pouvez vous lancer à prendre le volet immobilier, parce qu'on parle vraiment plus d'immobilier. Bon, vous pouvez prendre les deux en même temps, là, si vous êtes déjà, si vous savez que vous voulez vraiment vous lancer en immobilier, puis que vous êtes bien willing, ou que vous avez déjà commencé en immobilier, puis que vous voulez aller chercher l'information supplémentaire. Là, vous prenez les deux, puis vous allez avoir accès à tout le contenu. Fait que techniquement, masantéfinancière.com, regardez l'onglet expertise, puis là, vous allez voir l'aspect crédit, immobilier, finances personnelles, vous regardez. Puis là, vous avez, mettons, la personne qui veut vraiment aller immobilier, vous prenez l'expertise en lien avec l'investissement, le financement immobilier, vous rajoutez ça à votre panier, vous payez, puis vous allez avoir accès à tout le contenu qui est en vidéo instantanément. Après ça, si vous voulez des consultations avec moi, si c'est possible,
Mais idéalement, c'est préférable que vous ayez vu les vidéos avant pour qu'on puisse aller dans le plus loin plutôt que de la base. Donc, c'est ça. Techniquement, tout se passe sur masantéfinancière.com. That's it. masantéfinancière.com. Oui, c'est ça. Je vais l'écrire dans les commentaires pour les gens qui nous écoutent. Il est marqué en dessous de ma photo depuis le début. Là. En plus, il est écrit juste là, tout le monde, masantéfinancière.com. N'hésitez pas. Philippe, un gros, gros merci pour ton temps, pour ton expertise, pour ta générosité de nous partager justement là, des trucs, astuces comme ça là, sur le vif, sur le fly, comme qu'on dit. On a quelqu'un sur Facebook qui nous a dit justement « Nice, bonne info. » Merci pour ton commentaire. Sur ce, Philippe, je te remercie encore une fois. Ça fait plaisir. Puis en tout cas, j'espère que ça va vous aider, que vous avez trouvé ça intéressant. Puis un gros merci à toi, Christopher, de m'avoir invité une nouvelle fois dans ta maison immobilière. Yes. Immobilier 101. Puis juste avant de terminer, parce que quand on s'est parlé la dernière fois, tu me parlais comme quoi que tu voulais m'inviter. As-tu quelque chose de nouveau qui s'en vient, un podcast? On sait qu'il y a ta chaîne YouTube aussi. Y a-tu quelque chose de nouveau qui s'en vient? Oui, mais là, c'est plus un volet entrepreneuriat. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Parce que, à la base, moi, je suis un entrepreneur. Je ne suis pas un investisseur immobilier. À la base, l'investissement immobilier, c'est un véhicule d'enrichissement. Tandis que l'entrepreneur, pour moi, c'est une passion. Fait que j'ai toujours préféré l'entrepreneuriat, puis c'est pourquoi j'ai parti une business plutôt que juste me lancer en immobilier. Et là, j'ai décidé de lancer un sorte de podcast vidéo live sur l'entrepreneur en arrière des entreprises. Fait que ça va commencer la semaine prochaine. J'ai déjà quelques invités. On va parler de la vraie chose de l'entrepreneur en arrière. Puis là-dedans, ben, je veux pas, vu que la majorité de mes clients, puis de mes partenaires, puis les gens que je connais sont en immobilier. Il y a beaucoup de gens qui sont en immobilier qui vont venir, qui vont parler de leur vie en investissement immobilier. Mais on va parler, c'est quoi l'entrepreneuriat, peu importe le domaine qu'ils sont. Fait que je vais commencer ça la semaine prochaine. Fait que tu vas être invité, toi aussi, là, à passer à un moment donné là, pour nous dire. C'est bien beau l'immobilier, mais l'entrepreneur, le Christopher, ça l'adore, là. C'est quoi ses défis? C'est quoi sa réalité? C'est quoi les bons coups, les mauvais coups? Parce que, il ne faut pas se le cacher, là. Autant en immobilier qu'en entreprise, c'est pas toujours facile. Vraiment puis, pas. Moi, je suis pas un vendeur de rêve. T'sais, comme tantôt, je l'ai dit, puis toi aussi, tu es un peu comme ça. Je brise un peu les gens pour les apporter plus dans la réalité de la chose. J'ai aucun problème à ce que les gens rêvent et qu'il y ait des objectifs énormes, mais c'est juste, si tu veux les atteindre, il faut que tu sois réaliste pour être capable de mettre les choses réalistement et les stratégies réalistes pour y arriver. 100%. Puis, les entrepreneurs, on a des hauts et des hauts, des bas. On a des belles histoires puis des mauvaises histoires. Puis c'est ça que je veux parler. Je veux 100%. Savoir c'est qui l'entrepreneur. J'ai hâte, fais-moi signe. Pour les gens qui ne suivaient pas, Philippe, allez Facebook, LinkedIn, YouTube, tu as même une chaîne YouTube, ça, Ma Santé Financière, j'imagine? Oui, faites Ma Santé Financière, peu importe tout ce que vous voulez, pratiquement, je suis là. Sincèrement, n'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, Ma Santé Financière. Sinon, si vous voulez passer à l'action, vous voulez passer au prochain niveau, c'est pas simplement avec l'information que vous trouvez gratuitement, mais allez sur sa plateforme, allez sur masantéfinancière.com, abonnez-vous, écoutez les vidéos et lorsque vous êtes prêt, passez à l'action, contactez-le pour passer au prochain niveau. Sur ce, un gros merci Philippe, j'attends ton invitation pour ton show et yes. Pour les gens, merci pour votre présence, merci de nous avoir prêté vos oreilles et votre attention et on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace tout le monde. Merci. Salut.